Hey yo tout le monde, c'est Ch'titou et bienvenue sur cette vidéo découverte de Soul Worker. Alors je ne connais rien du tout du jeu, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il est actuellement gratuit sur Steam et du coup ça me donne envie de le tester. Il a des notes plutôt positives et du coup voilà, on va regarder ce que ça donne en espérant que ça soit bien. C'est parti. Donc je ferai sûrement ce format un peu plus souvent avec des tests de jeux. Des fois on va sûrement tomber sur des boosts, des fois on va tomber peut-être sur des bons jeux. Si on tombe sur des bons jeux, peut-être que ça me donnera envie d'y jouer un peu plus souvent. Mais voilà, en tout cas c'est en faisant des découvertes, en essayant des choses qu'on peut voir si des choses peuvent nous intéresser. Allez, alors du coup on a choisi le serveur français, on va créer un nouveau personnage. Alors nous avons... Ah merde, j'ai déjà pris ce perso? Ou alors il me fait voir se commencer. Parce que là j'ai cliqué sur le premier. J'espère que ça me le sélectionne pas direct. Ah j'ai l'impression que si. Ah non peut-être pas. Alors, nous avons Aru Estia. Elle combat avec une lame infâme. Elle offre une grande sécurité avec un combat facile à prendre en main. Ok. Là c'est... J'en vois à peu près le style de jeu ici. Ok, un combat à l'épée. On a lui. Donc c'est un univers un peu manga, pas même très très manga. Je pense qu'il y aura pas mal d'action. Oh, ces deux armes se transforment en une arme. Ok. Donc là c'est à peu près. Ok, donc c'est plus mi-distance. On combat au flingue. Ensuite, il y a Lily. Ah, j'avoue, j'ai peut-être tendance à partir sur les personnages avec des faux. J'adore ça. Et du coup... Avec une grande portée, ça a l'air plutôt cool. On va voir le dernier, quand même, hein. Qui a l'air de se battre à la guitare, ça, ce qui risque d'être vraiment bien aussi. Ah, c'est méga classe. Ah, je vais peut-être hésiter entre la guitare et la faux. Peut-être avec des esprits, en fait. On va essayer elle, à la guitare. On va essayer, on verra bien. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons les vêtements. Alors l'arme. On a la bleue, la verte ou la rouge. La verte est classe, la bleue est bien. Elles sont toutes bien, on va prendre la bleue. Bon, la voix. Déplacement. Ok, on va faire ça. Donc on a quoi d'autre? On peut choisir la coupe de cheveux. Ok. On a que trois coupes de cheveux pour le moment. On va prendre celle-ci. Les cheveux blancs, c'est classe. Les yeux. On va faire comme ça, la couleur de la peau, on va faire ça, et ensuite la tenue, la couleur de la tenue, ok, ça fait un peu trop blanc. Et donc même ça, on pouvait choisir... Ah non, on dirait que c'est pas la même chose, hein. On va rester là-dessus. Et du coup, on va s'appeler Ch'titou. Hein. Et puis terminé. On va générer le perso et puis on va essayer tout ça. Allez, c'est parti. Game start. Alors déjà, je pense que si vous n'aimez pas les univers manga, ça sera pas pour vous. Moi, je suis mort. Moi, je suis mort.
잘못이 아니에요. 왜 나한테만 이러는 거예요? 전부 내 탓인 거야? 나는 이 세상에 있으면 안 되는 거야? 모두 미안. 너 혼자가 돼버렸어. 저기 영감님, 저곳이라면 우리들만 있을 수 있을까? 이런 나도 미움받지 않고 살 수 있는 걸까? 더 이상 슬프고 싶지 않아. Cinématique plutôt sympathique avec un couplage qui est plutôt bien. Je pense que la voix qu'on sélectionnait au début pouvait changer la voix de notre personnage. Normalement, une chute pareille, on meurt. Ouais, mais bon, au moins 100 fois. Jutta, 모두 어디에 있어? 배고파. 다들 어디 있는 거야? 여기로 와. 거기 있었구나. 다들 나만 두고 간 줄 알았네. 이쪽으로 오면 돼. 어? 알겠어. 그럼 거기로 가면 되는 거지. 그쪽에 다들 있는 거야? Donc on est dans un tuto. ZQSD pour se déplacer. Jusque là ça va. La souris pour la caméra. 이쪽으로. 어서. 근데 너는 어디에서 왔어? 예전에도 이곳을 넘어오면 돼. 술래 잡기 하는 거야? 지금? 야! Non, faut juste que je passe et... OK. 그래. 다른 곳 보지 말고 이리로 와. 이제 조금 다르게 놀 거니까 준비해. Bon, pour l'instant, c'est déplacement classique, hein, il y a pas. Ok, pour l'instant, est-ce que j'ai du clic droit? On dirait pas. Ok, pour l'instant, c'est spam clic gauche. Ok, un système de combo. Waouh, et de l'action. Tu m'as...
나와 너는 함께해야만 해. 그러니 잊지 말고 나를 찾아줘. 알겠지? 이게 대체 무슨... 정신 차려! 여기서 쓰러지면 안 돼! Hop là, donc on récupère notre personnage. On était dans un hôpital. On a un système de quête avec des dialogues. Le combo d'attaque, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Pour l'instant, jusque là, ça va. Je pense que plus tard, on aura sûrement des meilleurs combos que ça. Et qui se débloquera par la suite. Et d'après les dialogues, j'ai faim. Et bien, quand on a faim, on avance. Donc je vais passer rapidement les dialogues. Je vais quand même laisser les cinématiques. Les gens se sont fait chier pour faire des cinématiques. Il y a du doublage, donc on les laisse. Mais pour les quêtes, si vous voulez, je vous laisse découvrir ça par vous-même de votre côté. Parlez à Myriam. Ah mais elle est longue. Allez. 어쨌든 소개할게. 이곳이 우리 별숨 리그의 전투. 스틸 레버 콤바. 오케이. 지금부터 네가 해줄 일이 있어. 이쪽으로 와서 설명을 들어주겠어? 왜 on avance. Allez. Allez, on avance. C'est... Bien. Ok. Il y a PNJ ici. C'est parti. Avancez vers la zone de stealth. 안녕하세요. 별숨 리그 소속의 오퍼레이터 클로이라고 해요. 변습이라 많이 부족하겠지만 잘 부탁드리겠습니다. 안녕. 거기 좁아 보이는데 안 불편해? 현 시간부로 테스트 시뮬레이션 가동합니다. 먼저 전방에 보이는 개폐 장치를 작동시켜 주세요. Approchez-vous d'un machin, appuyez sur F. C'est peut-être ça. Ouais. Gate open. Physical test에 돌입합니다. OK, boîte d'exercice. Certains éléments peuvent être détruits. Approchez-vous de l'élément, essayez de l'attaquer. Ouais. Ah, attendez. C'est peut-être un peu fort. On va baisser le son. On a notre barre de combo. Ok. Ah, on peut taper en l'air comme ça, ok. Ouais. Ça roule. Les mesures sont bizarres, ne fais pas attention à moi. Passons au test suivant. Ouais, je sais pas ce qu'il va y avoir des... What? Continuons le test. Mage. Ah ok, pour faire une esquive. Donc j'ai une frame d'invulnérabilité pendant que j'esquive. Ok. Je peux faire ça et continuer de ce côté-là. Quête complétée, jusque-là on est bien.
Champ magnétique fait appel à la Soul Force. Tu dois utiliser une compétence pour pouvoir le contrôler. Ok. Tu peux essayer autant de fois que tu veux. Ouais. Ah, j'ai ma fenêtre de compétence. Faut que je mette ça ici. Ok, donc j'ai mon 1. Ok, mon 2. Ok. Et mon 3, c'est quoi? Ça a l'air d'être des trucs à tête chercheuse. Vous pouvez aligner jusqu'à 3 compétences dans le raccourci. Ah, donc faire des enchaînements. Ok. Comment je fais pour faire ça? Bon, on verra après. Ah oui! Ok, donc là, si je spam moins, ça fait un... Ça fait un gros combo, en gros. Ça roule. Donc là, fais ça. Donc jusqu'à présent, on a l'auto-attaque, on a des combos qui se chain, et on a une esquive. Ok. Le boss d'acier. Aïe. Ça a pas l'air ouf. Hop, on esquive. Donc il y a des zones à terre. Bon. Ça va. On peut remarquer qu'il y a des petites zones à terre qui nous indiquent les endroits à éviter. Ça me rappelle un peu Wildstar où il y avait ce genre de choses. Tout ce qui te préoccupe, c'est de manger, forcément. C'est classe de se battre avec la guitare quand même, non? Je sais pas. La fosse aurait pu être cool aussi. Quitter. Donc là, on est encore dans le tuto. Hop. On passe. On va parler à Myriam. Vous l'entendez pas bien la musique là. Oh, masse truc, des commandes, on peut jouer à la manette. Pour l'instant, je vais jouer comme ça, mais à la manette, ça peut être intéressant aussi, je pense. Donc on a pour zoomer, tourner la caméra avec le clic droit, ok. Sauter, machin, barre de raccourci, tout ça. Bon, on verra. On a des bonus de connexion hein, qui nous forcent à... Ah, qui nous incitent à continuer. Et à se reconnecter tous les jours. Ok, donc là on va jouer avec ça. On doit aller... Le major.
tout donne une quête, on passe de level, tout va bien. On va essayer d'avancer le plus vite possible. Les points de compétences, utilisez les points de compétences pour améliorer vos compétences et en apprendre ou apprendre un soul plus. Ok. Donc comment je fais? Avec Alt, je prends le contrôle de ma souris. On a de l'inventaire, on a un pack qui nous permet d'avoir des cadeaux. Utiliser. Donc il y a un truc qu'on pourra récupérer au level 5. On a eu ça. Utiliser. On a eu un t-shirt blanc. Je suppose que c'est un costume, non? Ouais, c'est une apparence. Oui. Je suppose que la boutique est remplie d'apparences. Je n'en doute pas. Alors, est-ce qu'on garde comme ça ou on se met... Merde, je vois pas. On va mettre le t-shirt blanc. Allez, hop. Ça ne va pas changer grand-chose. On a un courrier. Un mail de serveur. Oh, bien sûr, on va avoir masse récompense. C'est parti. Hop, on récupère tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Pack premium. Des tickets d'extension d'inventaire, etc. Est-ce que c'est juste parce que je commence directement dès le début, ou est-ce que tout le monde aura accès plus tard? Ça, je ne sais pas. Une broche. Obtenez une broche d'attaque aléatoire, on utilise. On a une broche qu'on peut équiper ou pas? Non. Pas pour le moment en tout cas. Des livres d'XP, ce qui veut dire qu'on pourra payer pour XP plus rapidement que les autres. Ça me dérange pas encore tant que ça. Un uniforme. Toujours plus de costumes. Comment on fait pour zoomer? Je sais pas. Équiper. Toujours plus de costumes. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, je vois des jetons, donc de l'or. Un truc qui nous permet de nous soigner. Restore du SF. Ok, régène PV. La broche que je peux toujours pas mettre. Et dans Premium, on a encore quoi d'autre? En utilisant ces objets, recevez une chronique d'Ashaka. Qu'est-ce qu'une chronique d'Ashaka? Ashaka actif. De lui jaillit du sol et réduit la vitesse des adversaires. Ok. Fusionnez les cartes vides avec des clés d'Ashaka pour ajouter une compétence à votre chronique d'Ashaka. Et ça, je peux utiliser. Utiliser des compétences pour obtenir. Attends, utiliser une compétence d'Ashaka pour obtenir une compétence personnelle. Utiliser sont supprimés de l'inventaire. Je comprends pas tout, mais j'ai cliqué dessus. Extension d'inventaire, je pense qu'on pourra utiliser plus tard à l'endroit où on peut augmenter notre inventaire. Ah oui, ici, ok. Donc j'ai utilisé mon truc qui permet d'augmenter les emplacements, il y en a la masse. On n'avait plus de trucs, ok. Donc il y a une petite flèche qui nous indique où aller. Donc il y a une quête là-bas, est-ce qu'on y va tout de suite? K pour les compétences. Donc là, on a cette compétence-là, la valse qui fait ça, et ou alors on peut directement décider de faire celle-ci, puis celle-ci à la main. Ok. Évacuer, donc ça, ça doit être notre... Ça, c'est notre carte. Nos gestes. Ok. On n'a pas l'air d'avoir grand chose pour le moment, du coup on va continuer. J pour les quêtes. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Blindage, ça c'est l'équipement. L'inventaire, le profil. On a des stats.
Stats supplémentaires, on n'en a pas. Il y a bien sûr des titres. On est ok. La boutique premium. Ah, la boutique premium, vous la voyez pas. Ok, c'est une boutique qui est sur un site annexe avec des choses gratuites. Je verrai ça, on verra ça plus tard si ça vous intéresse. Normal, épisode 1. On est parti. Miriam Dewi, 반응 스캔. 물류 하적장에서 확인. 아직은 괜찮은 거래. 근데 서두르라고 했어. 에시에 les regrouper. Jusqu'au moment, ça va, je pense pas qu'il y ait des choses à découvrir. Ok, donc c'est sous forme de zone comme ça. Obtenez des Soul Nova, un élément de manse, besoin de matériaux. On pourra s'en servir une fois la quête terminée. Ok. Pour l'instant, ça me semble pas très dur. J'ai pas vu non plus s'il y avait du multi. Dégâts, on va se soigner avec A. Oh, on a le pouvoir là-bas. Energy type Soul Worker. Soul Worker로 확인됩니다. 이게 그 애가 말했던 슬픔. 이제야 모두가 보여. 현 시간부로 정식 Soul Worker로 등록하겠습니다. 말도 안 돼. Soul Worker라니. OK, donc à partir de maintenant, je suis un Soul Worker et j'ai une technique de fou. Et on va pouvoir utiliser notre compétence à la prochaine partie. On gagne des composants. On saura bien plus tard ce que ça fait. S'il faut appuyer sur 7 pour l'activer, c'est pas pratique. Je pense que c'est ça en plus, donc on verra. Puis on changera les touches. Miriam. 몸은 좀 어때? 23. C'est quoi ce Benji? C'est un magasin. On peut acheter des tenues, on peut acheter des petits pets à Akasha. Des broches. Ok, ok. Ça, ça doit être des quêtes annexes, je suppose. On va prendre les quêtes annexes, même si... on va faire la quête principale. Hop.
monsieur. Ok, ok, je savais pas ce que ça faisait les trucs. Ah, c'est stylé quand même. Je suis en train d'essayer mes émotes. Donc ça c'est la danse. Et... Ok. Franchement, les émotes sont cool. Sont plutôt cool. Il y avait une quête là-bas. Ah mais je viens de dire que je faisais pas les quêtes annexes et je suis en train de faire toutes les quêtes annexes. Ah là, je vais commencer à me perdre dans un jeu. C'est le moment. Ok, ok. Ah mais il m'a donné masse truc là. Lui maintenant, le banquier. Ok, ok, monsieur le banquier. Je suppose qu'ici on va pouvoir stocker des objets. Pour l'instant on a assez de place dans l'inventaire pour ne pas le faire. Donc là ça va nous faire visiter à peu près toutes les personnes qui existent, je suppose. L'ange médical. Et voilà, maintenant faut aller ici. On est parti. Ah ok, donc on voit la quête principale qui est main tendue ici. Ici, on peut faire Petit mais costaud et la pépite noire. Donc là, c'est quand même pratique de voir la recherche d'équipe auto. Donc on peut jouer en multi. On va voir ce que ça donne. Avant, cette vidéo, c'est pour essayer d'en découvrir un maximum. Elle va durer à peu près une heure. Je pense que je vais faire une heure de gameplay. Et puis, on verra ce que ça donne. On l'a fait en facile. Est-ce qu'il y a du monde qui va rejoindre? Je sais pas. C'est quand même la quête de niveau 3, donc je suis pas sûr qu'il y ait un grand monde. En plus, il est 4h23 du matin, donc je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui joue à cette heure-ci. Sinon, c'est pas grave, hein, on va retourner en solo. Encore 20 secondes. Ça semble compromis. Délai de recherche, c'est fini. A expiré. Et quand c'est expiré, ok, ça recommence là. On va y aller en solo, du coup. On y va, espace pour entrer. Et puis voilà. Donc il y a du multi jusqu'à 4 personnes, d'après ce qu'on a vu. On va voir ce que ça donne en multi. Il est tellement meurtrier. J'ai pas besoin d'utiliser mes compétences pour le moment. Chaque fois que je tue des ennemis, ça me permet d'augmenter ma jauge. Oh, j'ai pas le temps de lire ce qu'ils me disent. Hein. Alors j'ai ma grosse attaque, mais on va attendre. On va attendre d'avoir un boss ou quelque chose comme ça, je pense. Est-ce qu'il y a des trucs à rechercher dans les zones? Je pense pas. On a eu des jambières, ok.
vous avoue que le niveau du gameplay c'est pas très difficile pour le moment. Je sais même pas si on aura de la difficulté plus tard. Est-ce que leur but c'est d'avoir un maximum de joueurs ou c'est de faire le truc complexe? Je pense que pour eux c'est mieux d'avoir un maximum de joueurs. Ma grosse attaque. Ok. J'ai l'impression que ça m'a mis un petit peu en God Mode avec plus de puissance. Et j'ai pas eu l'impression d'avoir plus de compétences, en tout cas des compétences qui se débloquent. La musique a été peut-être un peu forte. Une récompense, ça me fait penser un peu au jeu comme, je sais pas si vous avez connu Dragonica, où pareil on arrive sur des instances, au fur et à mesure on avance, sauf que Dragonica c'était un jeu en 3D isométrique. Là on est vraiment sur du 3D pur. Oh, les persos ont l'air assez kawaii, donc je pense que ça peut plaire à un certain public. Je sais pas si... Enfin, je pense pas que ça va me plaire énormément. Ça peut être marrant en tant que découverte. Faut voir, faut voir. On va encore jouer un petit quart d'heure et puis... On va voir ce que ça propose encore. Je peux faire un main tendu, je regarde si au niveau des compétences, des choses comme ça, j'ai eu des nouveaux trucs. Ok, donc ça c'est des objets, donc je pense qu'il y a du craft. Je peux équiper ça. Ouais, au niveau de l'équipement. Donc ça, on va l'équiper, ça. Alors, attendez. Ça a l'air mieux que ce que j'ai, ouais, carrément. Une nouvelle guitare. Des bottes, on n'a pas de bottes donc c'est parfait. Des bottes qui nous donnent dégâts des critiques et précision, esquive, dégâts d'éraflement et coup de critique. Ok, ok. Et puis, ion de folie. Seuls les soul workers peuvent extraire et transformer ce truc. Exposé. Ah, ça c'est si on veut le vendre, c'est ça? Si on veut le vendre à l'HV? Ok, donc on va rien vendre pour le moment. Il y a un coffre mystère, on peut choper des trucs. J'ai eu un nano-kit, et le nano-kit me permet objet de réparation d'équipement, tout simplement. On est parti, on va faire cette mission-là. Hop, je pense que c'est bon. Ah non, il y a encore un loup. Il y avait un truc ici. Des sous, on prend des sous toujours. Toujours les sous. Le crabe, il a l'air... Au niveau des monstres, Elite, il a l'air d'avoir besoin de plus de coups pour le rendre sensible. Et une fois qu'on l'a rendu sensible, je pense qu'on peut le contrôler. Enfin, les monstres jaunes. Hop.
On est ok. Chaque fois j'oublie ces trucs là, des noyaux, des trucs. C'est pas si grave. C'est pas si grave. Donc là on peut le contrôler. Du coup j'ai pris cher en fait. Ouais je devrais. Ok, faut contrôler les monstres jaunes avant de taper. Donc là faut faire attention. Bah, je crois que j'ai pris un coup qui m'a mis qui m'a fait cher. J'aurais peut-être pas S+ cette fois-ci. Je pense que j'aurais pas S+, on verra, mais... Il y a un truc ici. Ok. Je suis en train de me demander ce que je devais faire avec ça. Un petit crabe jaune. Oh, ils avaient un peu bugué ceux-là. Hop là. C'est parti. Hop, on prend ça, on va faire le boss. Le canidur. Viens ici, hop. Hop, esquive. J'ai eu chaud. Et bim. Normalement j'aurais pas S+, je crois que j'ai perdu une barre de vie. Ah si. Ok. Bah, je pense que ça suffira hein, pour se faire une idée. On va partir de ça. On va regarder un peu au niveau des compétences et tout ça. Et puis on va arrêter cette découverte. Ok. Donc, au niveau des compétences, donc on va avoir des nouvelles choses. Pour l'instant, c'est des nouveaux trucs. Là, on a une nouvelle compétence possible, Hystérie. Force destructrice de super blindage, 406%, vous jouez de la guitare hurlante et faites apparaître une fissure au sol suivie d'une explosion. Rien que ça. On va la débloquer. Allez, c'est parti. On a un nouveau sort, c'est parfait. Ça, j'ai pas trop vu à quoi ça servait. Mais c'est peut-être celle qui est active, donc de lui, il jaillit au sol et qui réduit la vitesse de déplacement des adversaires pendant 2 secondes. Ok. Bah, de toute façon, là, ce qu'on a vu, c'était vraiment le début du jeu. Hein. C'était vraiment... C'est pour se faire une idée du style de jeu que ça peut être. Donc, c'est un jeu... Je sais pas si on peut dire beat... Enfin, c'est pas beat them all, mais en gros, on va défoncer du monstre, ça, c'est sûr. On va avoir pas mal d'attaques. Donc, on a vu, elle se bat à la guitare, il y en a une qui se bat à la faux, à l'épée. Et pour le dernier, je ne sais plus. Je ne sais plus comment il se bat. Donc c'est tout kawaii avec pas mal de costumes, donc ça peut plaire à certains, ça peut déplaire à d'autres.
La boutique, je n'ai pas encore regardé la boutique, mais je suppose qu'il y aura des costumes et des potions d'XP, parce qu'on a vu qu'il y a des choses. Il y aura aussi de l'augmentation de l'inventaire, ça c'est assuré. Et voilà. Donc ça se base sur des instances, donc des donjons qu'on peut faire jusqu'à 4 joueurs, qu'on peut grouper automatiquement. Donc je pense que je suis pas dans les bonnes heures là actuellement. Mais plus tard, voilà. Donc là, il y a d'autres personnages qu'on peut voir au niveau peut-être des costumes. Je pense qu'on est dans la ville de base, donc c'est peut-être pas très représentatif de ce que ce sera plus tard. Mais en tout cas, c'était ma petite découverte de Soulwalker. Donc faites-vous votre propre avis. Si vous voulez le tester, en tout cas, il est gratuit. C'est un free-to-play. Et si cette vidéo vous a peut-être convaincu d'y jouer, et ben c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Du coup, je vous dis à la prochaine. On fera une nouvelle découverte d'un nouveau jeu. Moi, personnellement, je ne pense pas continuer ce jeu. J'ai déjà joué énormément à ce genre de jeu. Surtout, ça me fait pas rappeler Dragonica, qui était un jeu que j'avais adoré. Un univers complètement différent, mais qui était vraiment cool. Mais voilà. Peut-être que ça peut vous intéresser, vous. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.